T'es baladé sur le circuit? Bah c'était très très dur. Après j'avais pour tactique de course de pas bouger avant le début du circuit final. J'ai vu que le circuit en ligne n'avait pas pu faire la sélection comme je le voulais. Donc j'ai pas bougé une oreille, juste aller chercher les coups sur le circuit en ligne. Et arrivé sur le circuit final, j'ai mis une première attaque qui a pas eu de réussite. Et j'ai mis une deuxième attaque un peu plus loin dans la bosse pour que ça dure plus longtemps. On est parti à deux avec Axel Laurence et à la relance, je finis tout seul. Enfin, je pars tout seul et après, je pars sur un chrono de 5 tours de 4 km et à bloc. Comment le trophée Badiot, je pense que c'est ton objectif principal cette année? Bah oui, c'est mon principal objectif. J'ai fait 6e à la première manche. J'ai gagné le sprint du peloton. On n'a pas pu arriver au sprint, un sprint groupé pour la gagne. Donc je retrouve au Léon lundi avec essayer la victoire et on va essayer de surtout d'en gagner une, pas forcément classement général, et puis après on verra au fil des étapes du trophée Madio comment ça se passe. Ouais, tu es à Châteaubriand, t'as un contrôle. À Châteaubriand, oui, il y a un contre-la-montre. Après, je sais que le contre-la-montre, c'est ma principale spécialité, donc j'aime bien rouler au seuil longtemps. Donc on verra à Châteaubriand et à Ronazès ce que ça donne. Voilà, merci. C'est victoire, c'est quand même la plus belle. C'est la plus belle, ouais. C'est une interrégion. Après, on verra dans une semaine sur le Trobo-Léon, mais pour l'instant, c'est la plus belle, oui. Merci. Ouais,